les étoiles du cirque ont brillé à l'Opéra Théâtre où se sont déroulées les rencontres régionales de cirque organisées par l'école de Clermont-Ferrand. Tous les ans, la Fédération française des écoles de cirque et les fédérations régionales, donc il y en a 12 ans en France, organisent des moments de rencontres entre écoles affiliées ou agréées pour permettre à des élèves qui ont préparé des numéros de les proposer, de les présenter dans des espaces atypiques. Ça peut être sous chapiteau, ça peut être en salle. Et le but, c'est de permettre à ces élèves d'avoir une première expérience de la scène. Sur scène, 43 artistes circassiens pour présenter une douzaine de numéros où se sont succédés acrobaties, trapèzes, clowns et prouesses d'équilibriste. Pour sa part, l'école de cirque de Clermont a proposé Supermarket, une création d'acrobatie burlesque imaginée par Ange, Théa et Martin, un trio accompagné par son professeur Mehdi. Là, on est parti un petit peu sur l'actualité, un petit peu sur le surconsommérisme. L'idée, en fait, c'est quand on propose notre travail, nous, avec les jeunes et puis avec le public, c'est aussi de faire passer aussi des messages, des valeurs. Et on espère vraiment que ça va faire réfléchir gentiment, voilà, que les gens puissent prendre du plaisir en savourant un petit peu cette petite bulle, on va dire, d'humour. Une belle prestation pour nos trois artistes circassiens, des passionnés qui ont trouvé, à travers le cirque, la meilleure façon de s'exprimer. J'ai un peu toujours voulu faire du cirque. Je l'ai découvert vers 3-4 ans, d'abord avec le cirque traditionnel. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup apporté parce que ça apporte à la fois l'aspect créatif et artistique et l'aspect sportif. En plus, on a la chance d'être dans une école avec vraiment un très bon état d'esprit. Et c'est un peu la maison, en fait, maintenant, l'école de cirque. J'adore le cirque, d'abord parce que c'est un sport, donc ça permet de découvrir nos capacités physiques, mais aussi parce que c'est un art et on apprend à créer des choses. Et par exemple, là, avec notre création, à faire un numéro, comment nous mettre en valeur, comment apprendre à jouer. Moi, je veux, depuis toujours, faire rêver les gens, leur donner du bonheur et puis c'est tout ce qu'il me faut. L'école de cirque de Clermont, créée en 2001 et affiliée à la Fédération française, compte 244 élèves. Un succès toujours plus grand, car le cirque, c'est magique.